Salut les copains, c'est Darsh, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous voyez, enfin, on va commencer avec mon nouvel Albatros. Donc un 540 avec une boîte en 12 plus 2. Voilà. Et retardeur. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout pour pouvoir faire du terrain accidenté, donc chantier benne et porte-engin. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. 540, c'est bien assez pour ce que j'ai à faire. De toute façon, les trois quarts du temps, les transports qu'on fait sur ETS2, on n'est pas très très lourd. En moyenne, ouais, enfin, on fait vraiment du mi-charge les trois quarts du temps. Donc c'est pas la peine que je prenne plus. Déjà, je voulais presque prendre un 500 pour être franc. Puis j'ai dit, ah, je vais quand même prendre un 540. Il y avait un moteur en plus qui te donne la calandre chromée. Donc ça me On plaisait bien. achète. Donc voilà. C'est mon nouveau camion et le premium va rester à Dijon temporairement. Donc premium, choisissez l'emplacement. De toute façon, ce sera Dijon, mon dépôt de base. Oh, puis il faut que je me mine le cul, vous voyez, je vais être kické, bien évidemment. Faites exprès. Et puis il fait nuit pour changer. Et bien sûr, la démo bug. Comme toujours avec ce jeu qui est codé avec le cul. Je peux pas le démarrer là. C'est vrai que ce jeu est codé avec le cul, hein. Faut dire ce qui est. Bon, je voudrais bien faire ça avant d'être kické, mais je crois que je voulais vous laisser l'intro. Écoutez, c'est pas grave, sinon je me reconnecterai, je couperai la vidéo, comme d'hab, hein. Avec ce multi qui te coûte déco sans arrêt. Et voilà, mon Albatros. Allez, je fais démarrer tout de suite, je voulais faire le tour et tout, mais parce que j'ai peur qu'il me déconnecte. Donc j'avance un petit peu. Ouais, il y a bien une vitesse lente, hein. Donc je pense qu'il y a une marche arrière lente aussi. Hop là. Donc voilà, je suis désolé. J'ai voulu bouger avant que ça me déco. Je vais mettre ça comme ça pour pas que ça m'emmerde. Voilà, bon, eh ben oui, donc je me suis lancé sur un Volvo. Je vais laisser les veilleuses, je vais le couper, je vais juste laisser le contact comme ça pour qu'on voie l'éclairage à l'intérieur. Voilà mon intérieur de cabine, hein. Ouais, le Volvo, j'aime bien quand même. C'est une marque qui, au début, j'étais pas super fan, mais les derniers modèles là de FH, je les trouve assez sympas et j'aime bien leur design. Et après, il marche aussi comme camion, ça marche vraiment pas mal. Donc voilà, je me suis dit, allez, ce coup-là, c'est le moment de changer un petit peu. Hop. Alors, fais-moi voir ça, le tableau de bord. Donc, t'as pour tout ce qui est consommation instantanée, comme d'hab, température. Ça, c'est le turbo. Et ça doit être aussi le j'ai bouffé le nom. Le limiteur de vitesse. Pression d'huile et pression d'air pour les freins. Ce que tu peux faire comme kilométrage et avec tes litres de carburant. Ok. Bon, après, t'as le contour donc qui est en bas comme ça. Ouais, c'est assez sympa. C'est spécial, mais c'est sympa. Faut s'y faire. Le neutre. Ok. Tout ce qui est réglage là. Ok. En dessous. On peut pas voir, c'est dommage. Ok. Attends, oui. D'accord. Ah oui, c'est une clé encore celui-là. C'est pas une carte celui-là. Ouais, c'est des euros 5. Hein. Voilà, bon, ça ressemble un peu. Ça me fait beaucoup penser ce tableau de bord avec l'écran et tout. Tu Ouais, ça me sais, fait ouais, penser remarque, j'ai pas pas mal au besoin de tableau de mettre. bord du Mercedes MP4. Hein. Vous avez vu, on les trucs pour les. Ah, t'as même le détecteur d'angle mort. T'en as un, ouais, c'est comme l'MP4 que j'ai eu là, c'est pour éviter de rentrer dans les voitures. Ça détecte, alors ça, c'est super chiant. T'as le truc pour les lignes blanches. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bon, enfin bref, donc avec une petite glacière pour avoir un peu d'eau fraîche. Et puis le sac, je l'ai foutu là-bas. Bon, après la couchette, je suis pas fan, puis j'aurais bien voulu. Ça, c'est con aussi qu'on puisse pas tirer les rideaux. Enfin bon, bref. Non, mais sinon, c'est un joli camion.
On va descendre 2 secondes, le regarder 2 secondes avant que j'aille à l'atelier. Hop. Voilà, je le regarde, c'est tout nouveau. Alors j'ai mis des jantes standard chrome avec juste les trucs Volvo devant, qu'on voit rien du tout la nuit, c'est pas grave. Oh, ils sont jolis autrement. Oh, ils sont jolis. Ils sont bien comme ça. Voilà, donc c'est mon nouvel Batros. Alors je vais essayer de me faire un petit peu plus de 250 000, je pense, 300 000 km. Je pense que je vais me baser sur 300 000 km. Faut qu'il soit rentabilisé, vu qu'il est tout neuf. Alors j'ai hésité pour les barres aussi de côté, là, avec les loupiottes, mais je me suis dit, c'est pas les barres, j'aurais pu mettre que des loupiottes directement sur le carénage, j'aurais préféré, mais bon. Comme j'en avais mis devant, j'ai dit, allez, remets, parce que sinon ça va pas faire très joli. Oh, c'est en haut, c'est pareil. En fait, j'aurais voulu, pour les longues portées du haut, j'aurais voulu les foutre plus sur les côtés et les Michelin bien à côté. Et au milieu, mettre une trompe éventuellement. Un peu comme j'avais fait sur le premium. Malheureusement, je vous dis, les barres sur le toit de ce camion-là sont pas terribles. Voilà, c'est dommage, on peut pas lever la calandre. Là, il n'y a pas en HD encore, hein, le FF16. Bon, voilà, allez. C'est pas tout hein, en HD non plus, hein, il n'y a vraiment que les scans. Hein. Voilà, après j'ai mis des grosses roues aussi parce que comme je compte faire beaucoup de, je vous dis, de carrière, de chantier, hein, parce que c'est un peu ma spécialité. Attends voir que je regarde les vitesses. Donc neutre, la petite vitesse comme on disait avant. Ah oui, il y a deux petites vitesses. Je croyais que c'était une petite vitesse marche avant et une petite vitesse marche arrière. Mais non, c'est deux petites vitesses. D'accord, donc tu peux. D'accord, ok. Donc ça va être pratique quand je vais faire du chantier. Bon, je vais pas rajouter le GPS. J'en ai un sur le tableau de bord déjà. Bon, normalement, c'est plus pour tout ce qui est téléphone, GPS, mais aussi les trucs du camion électronique et tout. Hein. Enfin, dans le MP4, c'est ça. Hein. J'ai jamais conduit ce modèle-là de FH en vrai. Donc, je peux pas vous dire. Hein, les tout derniers, je les ai pas conduits. Bon, bah écoutez, on va regarder. Si on se trouve quelque chose, il n'y a personne dans le coin. Alors, du coup, le camion, nous, notre dépôt est à Dijon et on a commandé le camion hein, au garage le plus proche. Donc, c'était Limoges pour moi. Ouais, donc, vous voyez, on n'est pas très loin. Donc, éventuellement, si j'avais du Dijon, justement, ça m'arrangerait bien la bite. Merde. Tiens, ça tombe bien. Regarde, si on remonte sur Bourges. C'est pas loin de Bourges. Puis après, on tirera sur Dijon, de Bourges-Dijon. Une benne, ça tombe bien parce que ça va être le boulot principal que je veux faire. 540, ça fait gros. Ah, je voulais presque. Ah, c'est vraiment les. C'est vraiment parce que je compte faire du porte-engin aussi hein, que j'ai pris des extra lentes. Hein. ça fait gros quand même. Hein. Ah, j'aurais dû prendre un 500. Ah, oh, tant pis. De toute façon, maintenant qu'il est fait, l'effet. Et à la limite, le 540, j'aurais dû le prendre. Ouais, oh, quoi que. Ouais, oh, j'aime pas trop les trois essieux. Ça m'aurait servi trop à rien finalement. Donc, non, c'est bien. Allez, c'est bien, c'est bien. Écoutez, pour une fois, je me suis fait plaisir. Hein. Je prends jamais des trop gros. Hein. Mais bon, Allez. On charge à 57 km. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je suis en train de régler le son. Allez, on y go. Bon, je voudrais pas que la musique soit trop forte pour que je puisse un peu entendre mon moteur parce que du coup, j'en ai pas l'habitude de celui-là. Ça fait 200 000 bornes que je roule en premium, donc. Il redescend très très vite son régime moteur. J'ai même pas réglé mes rétros. Je les réglerai une fois que j'aurai la remorque au cul pour voir un petit peu. Une fois que j'aurai récupéré ma belle-mère. Ça fait bizarre de. Par contre, je préfère largement les rétros du premium. Hein. Ça, j'avoue, pour l'instant.
Alors j'ai failli prendre le Magnum avant, hein. C'était moi, c'est le Renault Magnum, c'est mon camion préféré, hein. Et puis bon, j'ai dit allez, prendons le Volvo pour changer un petit peu, et puis qu'on te dise pas que tu roules que en Renault. Même si Volvo c'est quand même Renault aussi maintenant. Oh, on monte très très vite, on monte très très vite en vitesse. J'essaye de... Il est trop silencieux, ça m'énerve, j'entends pas mon régime moteur. Oh, doucement mon gars. Jamais, jamais personne sur ce putain d'Europe 1, c'est dingue quand même. À croire qu'il y a que des gamins de 8 ans qui jouent sur Europe 2, quoi. C'est fou, hein. Ça fait chier à force. Ça m'emmerde, toi, le casque. Limoges, Boiserie. J'aime pas trop le bruit, par contre, du moteur. Je suis pas un con du bruit du moteur. Le tab, il est mal foutu, leur truc de tab, là. Dès que tu fais que le clic droit de la souris, du coup, ça te nique tout, quoi. Oh! Oh! Putain, il m'a ralenti très très vite, hein. Par contre, le ralentisseur hydraulique, je veux bien que je suis en solo, mais j'ai tiré qu'un petit cran, et boum! J'ai l'impression que le ralentisseur va être bon, va être efficace sur celui-là. Ralentisseur sur échappement aussi, marche bien. Mais bon, on va voir ça une fois qu'on sera attelé. Parce qu'en solo, c'est pas... Par contre, il fait beaucoup de bruit, hein, son ralentisseur hydraulique. Bon, j'ai un petit peu de mal à me faire au contour pour l'instant, mais ça va, ça va, ça va. Il est joli quand même, il est bien trouvé, c'est pas mal. Alors par contre... Ouais, je sais que tu peux rentrer là, mais... Par contre, va doucement parce que je veux pas taper par terre. Je sais pas ce que c'est. Oh merde, j'avais pas fait gaffe. Je regardais mon tableau de bord et je pensais que je pouvais tourner et manœuvrer. Et il y a de la place derrière pour manœuvrer ou pas? Ou faut que je recule? Oh si, c'est bon. Bon, largement. Normalement. Ah non, ça va pas tourner d'un coup, dommage. Hop là, doucement. On va pas taper dans le machin. Pas fait gaffe le poids qu'on avait emmené, je vais regarder ça. Alors vous avez vu, j'ai mis les fagnons là, les fagnons France, Italie, tout ça là, c'est les nouveaux là. L'Italie en tout cas, je viens de l'avoir avec les missions de Suisse, de Suède, pardon. C'est pareil, il fait froid aussi là-bas. Ah bon? Ah bon? J'étais décalé comme ça? Hop là! Encore un essai de traction, on en fait deux. Faut que je m'y habitue ça. Ok! Allons jeter un œil. Je laisse tourner le moteur hein, comme je viens de le démarrer. Hop! Alors. On va voir s'il est bien accroché déjà. Malgré qu'on a fait deux essais de traction, on va regarder quand même. Sécurité. 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 On regarde avec la loupiote. Le crochet s'est bien mis. On regarde la manivelle qui est là.
on la goulotte, c'est bon, c'est bien mis. Oh, dis donc. Ah non, j'ai cru. J'ai cru que j'avais oublié la tige. Et on va remonter. Merde, j'ai éteint le... J'ai appuyé sur le bouton du démarreur sans faire exprès. On va monter. On accroche le tuyau hydraulique. Ah tiens, avec les flexibles que SCS est en train de nous faire. Est-ce qu'ils vont nous faire les raccords hydrauliques pour l'ébène là au lieu de le mettre? Parce que là, le raccord hydraulique qui part du vérin, il va quand même se planter dans la benne, ce qui est complètement débile. Parce que il faut que ça parte déjà du réservoir du tracteur qui n'est même pas présent ici d'ailleurs. Il devrait en avoir un. Et le tuyau viendrait comme ça. Parce que là, si tu... Admettons que le vérin soit alimenté, le tuyau lèverait... Enfin, se lèverait avec la benne et s'arracherait dans la passerelle et s'arracherait avant de lever un élément. Là, ça fait ridicule, en fait. Hein. Regardez. Brancher le tuyau dans la benne. Au lieu de faire au moins semblant de le faire venir... Ouais, bon, bref. C'est comme ça. On accroche le tuyau d'hydraulique pour la benne. On accroche la main jaune, la main rouge et les deux prises électriques et le cordon ABS. Hop. Et tout s'allume. Et après, on va relever nos béquilles. C'est quel bouton? C'est celui-là, Martine. Et voilà. Et on a tout branché. Voilà, c'est fantastique, c'est magnifique. Bon, l'éveilleuse, ça marche, c'est tout accroché, l'état général, les pneus, comme d'hab, on tape un coup dedans, regarde, les écrous sont tous là, c'est bon, jette un œil, éclairage, tout, bon, comme d'habitude, l'éclairage de la plaque d'immatriculation fonctionne pas, mais blablabla, blablabla, les bavettes sont là, papapapapa, les pneus, tout, état général, la bâche est bien accrochée, etc., etc., on a fait notre lettre de voiture, on se barre. Voilà, comme ça. Ça c'est fait. Bon, ça va, on a que 220 bornes. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je vais faire un petit essai de frein. C'est bon. Allez, go. Toujours personne dans les coins? Attention, les stations pour un SCTX, merci. Et personne ne répond. Ou alors, des fois, t'entends un gamin de 8 ans faire... J'ai bien pris large, là, pour ma chiotte Ben, hein. J'ai pris très large. Bon, je vais pas trop lui tirer dessus, mais je vais le monter un petit peu au-dessus de la plage verte, parce qu'il est en rodage. Et quand c'est en rodage, faut tirer un peu dessus. Si ça doit casser, ça sera au début. Et c'est en garantie. Surtout un tracteur neuf. Bon, 540, hein, y a pas à chier, ça doit marcher même plus que ce que j'ai besoin. Hein. Je trouve le bruit du moteur un petit peu trop fort. Enfin, d'extérieur. Hein. L'intérieur, ça va, c'est juste. Mais d'extérieur, pardon, t'as vu, même quand on était loin, où on était à l'autre côté de la benne, eh ben, il faisait fort. Ils sont quand même à un bruit de tank un petit peu. Hein. J'accélère pas comme un venin non plus. Je vais pas essayer de trop le faire consommer quand même, mais je vais quand même le monter un petit peu plus que ce que je ferai par la suite. Voilà. J'ai le pédalier qui se barre. Bon, tout fonctionne. Alors, où est-ce qu'au tableau de bord, il m'affiche que j'ai... Ah oui, si. Non, il me... Si, c'est ça. Si, si, il me l'affiche. C'est bon. Il m'affiche bien le limiteur de vitesse, à combien je l'ai mis. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça, c'est les kilomètres journaliers, ok, en bas à gauche, là, 100 km pile, là. C'est ce que je regardais. Donc la consommation instantanée, la consommation pour 100 km.
La température moteur, 85, ouais, c'est ça. Température de l'huile. Ouais. Par contre, il faudra que je règle mon poste de pilotage parce que je trouve que je suis un peu mal réglé, même au niveau des rétros. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Alors là, on voit la pression du turbo, non? C'est ça? Et la vitesse. Pourquoi ça te marque deux fois la vitesse? Ben non. T'as le limiteur de vitesse. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est la vitesse, mais en digital. Ok. D'accord. Je comprenais pas trop, là. Ok. D'accord. Ok, ok. Pression d'huile, pression d'air. Il te dit pas à combien de barres exactement. Il te met juste une barre comme ça. Une jauge qui monte. T'as même pas une graduation pour te dire si t'es à 10 barres, 11 barres. Non, t'as rien du tout. Ça, c'est mal foutu. Oh, pardon, pardon, pardon. Tiens, je te mets un coup de feu de... Un coup de gyrophare pour te dire bonjour. On les croise souvent, cette team, là. RO, là, on les voit souvent. Bon, par contre, ce que j'aime pas et que j'ai pas pu changer, c'est la couleur du tableau de bord et des sièges. Hein. Je la trouve vraiment immonde et dégueulasse. C'est un peu pour ça que j'ai vraiment hésité avant de le prendre, mais... Alors, on voit tout ce qui est veilleuse, feu de croisement, plein phare, et les longues portées et les anti-brouillards. Ouais, c'est bon, on voit tout sur le tableau de bord. Bon, ça se passe pas mal pour l'instant. Ça se passe pas mal. Je vais essayer la boîte automatique parce que je sais que sur les Volvo, je l'aimais énormément. C'est un petit peu ce qui m'a décidé aussi de reprendre un Volvo du coup, dans le TS2. C'est parce qu'en vrai, j'aime beaucoup les boîtes automatiques de Volvo. Alors tu vois, je vais la faire péter là. Et on va le laisser se débrouiller un petit peu pour voir comment il gère. Voir si tout se passe bien. Ah, ça grimpote un peu là. Merde, pardon, je suis sur le bouton. Donc ça, c'est les kilomètres que tu peux faire et en haut, c'est les litres qui te restent dedans. Hein. On est bien d'accord. Consommation instantanée. Ok, d'accord. Non, mais ça va, c'est pas mal. Les rangements sont bien faits là-haut, là, j'aime bien. Par contre, sur le tableau de bord, c'est zéro. Hein. Là, il n'y a pas de truc ni rien. On peut même pas mettre une table, rien, c'est un peu con. Bon, ça sera une courte mission pour ce deuxième épisode de la saison 2. Et la première vidéo avec mon nouveau tracteur, hein, mon Albatros 2. Paris, Bourges, Saint-Laurent. Oh, combien j'ai de tonnage au fait? 14 tonnes, tu vois. On est encore normalement dans une benne. Allez, ça doit être. C'est quoi? C'est une benne en alu ou c'est une benne acier ça? Ah, c'est des trucs de benne acier, mais une acier en alliage, la souple, elle doit être fine. Allez, on doit faire à vide avec une benne alu. Tu vas dire que tu fais 12 tonnes 5. Avec la benne comme ça, tu dois faire, allez, 14. 13 et quelques, presque 14, on va dire 14 pour arrondir. Tu fais 14 tonnes, tu charges à 44 normalement. Bon, là c'est des copeaux de bois donc forcément ça remplit pas.
Enfin, tu remplis, mais t'as pas le poids. Donc, je pense que, ouais, on est à mi-charge. Normalement, on en ferait péter à peu près, en moyenne, on va dire, dans les 30 tonnes. Et, ouais, dans une benne normale, tu mettrais à peu près 30 tonnes, une comme ça. Donc, tu vois, ça sert à rien. Tu vois, même mon 540, là, avec des chargements comme ça, c'est... Ça sert à rien, merde, j'ai un peu... Putain, il ralentit. Par contre, le ralentisseur hydraulique, là, le retardeur, il est violent. Chier, on a encore deux nuits, hein. Ça me casse les burnes, ça. J'accélère tranquille. Je le ferai un petit peu en manuel, un petit peu en auto de temps en temps. Fais voir si je mets full power, j'accélère à fond. Regardez, là il va le monter dans les tours là. Je le fais exprès, regardez, là il va monter. Et il marche. Il marche bien quand même. Hein. 540, il marche. Bon après on est à mi-charge. Hein. Vous voyez? Et là je l'ai mis en full power. Hein. Par contre, quand je fais le full power, vous le voyez à l'instantané, il fait. Donne-moi ton litre! Oula! Par contre, j'ai failli me retourner. C'est là l'entrée? J'arrive comme une balle, moi. Mets donc les warnings. On va s'arrêter là. Ça aurait pu foutre ça au milieu de la cour, que ça gêne personne pour le chemin. C'est des andouilles, là. Donc, on rentre là, entre le bâtiment en marche arrière. Alors là, par contre, tu vois, l'automatique, il se met en A2 direct. Mais tu vois, une petite côte, bon, on n'est pas bien chargé, mais une côte comme ça sur de la terre, on aurait pu démarrer en petite pour économiser l'embrayage. Bon, allez, je le remets en auto. Je vais le laisser un petit peu en auto. Donc, normalement, on reculerait là-bas. Tu sais ce que je vais faire Je vais faire comme ça. Je vais pas m'emmerder la bite. De toute façon, il n'y a personne. J'ai enlevé ça. Bon, j'ai un peu de mal avec ces rétros là, mais... Oh, les rétros d'angle sont très très mal réglés, oui, effectivement. Fort que... Que je gère ça. Donc c'est le long du bâtiment, on est bien d'accord. Elles partent vite, les bennes. Même en vrai, elles partent pas si vite que ça, les bennes. C'est bien par là, hein. Je me suis pas trompé. Dans le coin là, par là. Je vais reculer par là, je vais bien finir par y voir par un coin de la portière. Ah non, c'est pas. Je sais pas comment c'est fait ici, si, pourtant j'ai bien l'impression. Mais voir les feux de détresse. Les feux de détresse, le frein de parking. Que je descende voir à pied exactement ce que ça ressemble. Hop! Il me semblait que c'était par là. Non. Ah non, c'est... Oui, d'accord, c'est le long de la clôture là-bas. Non, je croyais que c'était garé par là, vers le bâtiment, en fait. D'accord, ok. Je vais passer derrière le porte-engin. Hop, je remonte dans mon camion. Si je trouve le bouton. Allez, c'est bon, ça marche. Ah, par contre, ouais, je vais avoir du mal à m'y faire au rétro. Hein. Même les gros rétros, j'ai l'impression qu'ils sont tout petits. Hein. C'est de pas aller dans la clôture, parce que le paysan va sûrement faire la gueule, certainement. Vous voyez, c'est pour ces coins-là que je mets des gros pneus, par contre je vais pas être bon là. Ramasse pas le tracteur dans le porte-engin. Hop là! On est bien là! Hein qu'on est bien, Tintin?
J'avais un copain qui disait tout le temps ça, il y a un copain que je vois plus. Ben. Il disait, hein, on est bien là, hein, Tintin. Bon, bref. Vous remarquerez qu'à chaque vidéo, je vous raconte un peu des conneries sur ma vie de merde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Bonne question. On voulait mettre une cale. Mais on va pas mettre de cale, on va mettre juste le frein de semi. Mais on dit qu'on va mettre une cale parce qu'on a les consignes dans notre entreprise. Hop, une cale là et puis une cale de l'autre côté. Comme ça, la roue est calée. Même si c'est à la descente, c'est calé dans les deux sens. C'est tout. Bon, ensuite, on a mis le frein de parc là. Tiens, il est là. On appuie sur le bouton, clac, hop. Ensuite, on descend la manivelle. Je la descends pas maintenant parce que... Vous allez voir pourquoi. Mais on va dire qu'on a descendu les béquilles. Hop, on monte là et on débranche tout. Touk, 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 touk. On a tout dévissé, l'hydraulique, les deux mains d'air, les deux flexibles électriques et le cordon ABS. Et hop là, il n'y a plus de veilleuse. Je me demande si j'ai pas appuyé sur le bouton pour éteindre le moteur encore une fois. Voilà. Enfin, ça a été vite. Et voilà. Ma livraison faite. Si c'est éteint, c'est normal, c'est parce que j'ai dû appuyer sur le bouton. Tiens, tu vois, je l'ai encore éteint comme un con. On va dire que c'est pas grave, il s'est éteint tout seul. Tu sais, au bout de tant de minutes, maintenant, les nouveaux, on peut y faire régler pour qu'ils s'éteignent. Au bout de 4 minutes, on avait d'été, nous, les nouveautés en 460 et 480, ils avaient programmé pour qu'au bout de 4 minutes, pas user le gasoil. Mais on avait même des premiums, les derniers premiums aussi, ils faisaient ça aussi. Bon, ben voilà, et la remorque a disparu. D'accord, elle aurait pu rester cette pétasse. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, sur ce... Ben, écoutez, je vais remettre en auto. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Alors, malheureusement, c'était encore de nuit, je sais. Je suis désolé, mais ça, j'y peux pas grand-chose. Mais si, c'est bon, ça marche. Hop, je vais faire comme ça. Bon, je vais aller me garer pour faire un petit quart d'heure de coupure. Et puis, boire un café, faire les papiers, etc., etc. Et aller voir le proprio du coin. Sur ce, je vous souhaite bonne route, la prudence à tous. Les bons chiffres à la croisette sur les routes du multijoueur. Ciao les gars.